Donc nous, bonjour à toutes et à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo. Donc on reprend, c'était la dernière fois, ça veut dire après la conquête de Théodosiopolis avec nos troupes contre l'Empire byzantin et avoir un peu aussi aidé le comte Nicodémos de Dorylée pour que je devienne empereur de Byzance. Comte de Byzance, c'est déjà le cas, mais bon, comte. Qui a envie de s'embêter avec un titre de comte, hein? Voilà. Comme ça, par la suite, on pourra dire l'Orient et l'Occident seront reliés à jamais dans cette nouvelle ère. Ou pas, mais bon. Ça, c'est un autre problème. Donc, on va profiter du fait que j'ai de la cavalerie pour envoyer un peu partout. Je vais aussi en profiter pour vous dire que je vais utiliser un petit titre que j'aime pas utiliser. Ça fait un petit moment que j'ai réfléchi à si je vais l'utiliser ou pas. Quand vous avez un petit royaume qui a qu'une seule culture, je m'explique pourquoi je vais utiliser ce titre là, à contre-coeur, mais qu'il faut que je vais l'utiliser. Quand vous avez un petit royaume, par exemple le royaume de France, hein, le royaume des Francs plutôt, voilà, par exemple, on est fou, voilà. Encore, carrément, l'Empire, on va dire, carrément, l'Empire de France, hein. Vous avez toutes les cultures qui sont pareilles, donc vous avez déjà pas de pénalité de culture. Plus votre empire grandit, plus vous avez une pénalité de culture, par exemple. Les Russes n'apprécient pas que ce soit des Latins, par exemple, qui les gouvernent. Voilà, c'est un exemple bête. Donc voilà. Et plus votre empire est grand, plus vos vassaux vous détestent, parce que vous avez un plus grand nombre de vassaux, bien évidemment, et c'est plus difficile de maintenir l'ordre dans un grand empire que dans un petit. Et j'ai une technique, hein, pour éviter que ça s'aggrave, hein. C'est que étant donné que la diplomatie, c'est ce qui influence les vassaux, comment ils vous apprécient. Oh là, elle est morte. C'est déjà la deuxième. Étant donné que c'est... D'ailleurs, ça me fait penser à une chose. Voilà. Étant donné que c'est votre diplomatie qui influence les vassaux, plus vous avez une diplomatie élevée, plus vous évitez en quelque sorte les rébellions parce qu'on vous apprécie. Donc j'ai décidé de faire une chose. Je voulais pas utiliser ce titre là, mais finalement je l'ai fait. C'est que j'ai ajouté la diplomatie jusqu'à arriver au stade de inférieur à 110 parce qu'au-dessus ça bug. Je suis arrivé à 100 et quelques. J'ai 379 vassaux, vous comprenez très vite pourquoi. Pour avoir le plus 68 de diplomatie d'état. Parce que... Voilà, et on a quelques petits problèmes comme ça. Pour les étrangers, surtout pour les étrangers. Hein. Donc... j'ai envie d'éviter d'autres problèmes de rébellion vu que ça me prend beaucoup de temps sur mes vidéos. C'est de la triche, je l'admets. Mais j'ai envie de dire, ça me permet d'éviter de repasser encore beaucoup de temps à devoir vous préparer une vidéo parce qu'il y a une guerre civile. Donc, voilà, j'ai choisi ça, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je m'en excuse tout de suite. Hein. Mais bon, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Hein, Parce que voilà, mine de rien, c'est... Ouais, c'est... Ouais, faut dire ce qu'il y a, j'ai été peut-être un peu amené au point que j'en avais totalement marre de m'occuper des rébellions, faut dire ce qu'il y a. Autant, c'est pas le problème, ouais. C'est pas le problème qu'il y ait des rébellions, mais... Ouais, j'essaie de faire une série dans laquelle vous avez moins de problèmes possibles niveau rébellion, hein. Quand je veux dire moins de problèmes possibles, c'est parce que c'est tellement long à s'occuper que j'ai pas envie en fait de passer trop de temps dessus. Déjà qu'une vidéo me prend beaucoup de temps à mettre en place, entre les problèmes techniques, quand j'en ai et tout ça. Voilà, bon. Alors quand je peux troncaturer un peu tous les temps de préparation, notamment les guerres civiles qui me prennent beaucoup de temps,
Ben, j'accepte. Ben, tout simplement, je me dis que qu'au final, c'est mieux pour vous. J'ai plus de cas. Ben, c'est un organisateur. Voilà. Je me dis que c'est mieux. Ben, après, au final, bon. Peut-être pas que c'est ma meilleure idée. Tour des personnes qui compoteront, ça c'est une certitude, mais bon. Donc voilà, je vous le dis, voilà, je vous dis ce que j'en pense. Je vous déconseille d'utiliser ce cheat. Hein, pour tous ceux qui veulent, bah, ils ouvrent la commande, ils tapent help et ils auront toutes les commandes de cheat. Hein. Mais bon, c'est après, c'est pas mon problème. Hein. J'avoue que j'utilise des cheats de temps en temps pour éviter que j'ai des problèmes quand je filme. Oui, je l'avoue. Et c'est le premier que j'utilise sur cette partie, il faut dire aussi ce qu'il est. Mais bon, voilà, ça évite d'avoir trop de problèmes. Parce qu'après tout, c'est tellement mieux quand on n'a pas de problème. Donc voilà. Alors, le compte est en train de gagner. Ce qui, mine de rien, est parfait. Nous pensons avoir regardé vers qui on peut attaquer. Hein, parce que c'est un peu le but, hein, sinon on va s'embêter. Donc, trêve. Bon. Donc techniquement, je peux faire des guerres saintes ici. Oh oui, bon. Alors, on va prendre ici. Oh, bon, on va déclarer une guerre sainte là. On envoie l'armée là. La Russie, est-ce que j'ai des revendications dessus de mémoire? Oui. Oui, j'en ai plein. Donc je pourrais récupérer Rostov. Zadeski, Tever, Vieznaz. Bon, on ira récupérer ça plus tard. Une fois que l'on aura vaincu. Ah, c'était lui que je voulais. Voilà. Une fois qu'on aura vaincu les troupes de l'Ordor. Au moins, ça fera du bien. Ça fera un bon petit vide. Hein. Rejoindre. Par contre, j'ai un petit reproche à faire, c'est que vous voyez par exemple là, ce que j'aurais bien aimé, c'est que ils nous proposent, tu vois, vu qu'ils essaient de nous mettre au pouvoir, ils nous informent avec une lettre nous disant voilà, nous allons faire une guerre contre par exemple là, c'est Basile, je sais plus quoi, d'empereur, hein, pour vous récupérer le titre nana et vous mettre en fait dans ce cas sur le trône de l'Empire byzantin. Et j'aurais bien aimé qu'on puisse participer, vous voyez. Parce que mine de rien, on vous laisse le choix, tu vois. Soit tu dis, je m'investis pleinement, voilà, je vous aide dans cette guerre. Que j'aurais trouvé sympa. Mais bon, ils y ont pas pensé. Peut-être que c'est fait exprès. Pour seulement éviter l'appui des puissances trop fortes, hein, lors d'un changement de la succession. Mais bon, après, moi j'ai envie de dire, ça serait... un aspect en plus dans le jeu qui serait pas trop mal. Hein. Tiens, bon, avril. C'est bon, je gagne cette guerre. Plutôt cette bataille. Donc voilà, je sais pas si c'est pensé dans une mise à jour, on verra bien. Hein. Comptez de pure sortie. Récupérer ça. J'ai oublié de couper Steam, mais c'est pas grave. Ça ne pose pas problème, on n'a pas coupé Steam. Voilà. Et il me donne 1036.
Mais mine de rien, quand vous faites une guerre et qu'on vous donne autant d'argent pour la paix, vous dites oui. C'est le gros avantage, c'est le point fort et inconvénient quand vous faites des guerres contre des grandes puissances. Si jamais vous déclarez la guerre et que vous gagnez, ça vous fait un bon petit pactole en banque, hein, parce qu'à 1000 et quelques, pourtant l'Empire là est pas très conséquent, ça serait moi qui perds en mon avis. Je pense que... Duché d'Alexandrie, d'accord. Je pense que ça me coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher, mais bon. Vu que je suis devenu duc... Donc lui, il devient le nouveau... duc d'Alexandrie. Lui, il obtient Gizeh. Je dois en avoir un dernier, voilà. Voilà. Comme toujours, jour 10. Ça m'étonne pas. Alors, la Horde d'Or capitule et me laisse finalement gagner. Pour après rejoindre la guerre sainte contre... en gros, cette province-là. Et en gros, il me redéclare la guerre. Voilà, le traité de paix, vous interdit en guerre l'un contre l'autre pendant, voilà, pendant la durée du traité. Mais par contre, vous pouvez... déclarer la guerre en soutenant un allié à même personne. C'est quand même pour vous dire. C'est comme ça, par exemple, que vous pouvez facilement réduire à néant ben, des armées ennemies assez conséquentes. Hein. Donc voilà, c'est... les médias qui vont gagner. Pas possible. Là ils font fort par contre. La fax. Aurait-il. Ils ont peut-être changé de ratio en fait de bonus dû au. À votre diplomatie, je pense. Que normalement là ça serait pas possible. Vu la diplomatie que j'ai, qui est techniquement impossible à atteindre, il ne devrait même pas y avoir de mécontentement quasiment tellement que j'ai une diplomatie forte, mais apparemment là c'est le contraire, c'est bizarre. Après il y a une autre technique, hein, je récupère tous les titres de partout et hop, à faire régler. Je trouve pas l'onglet que je cherche, c'est génial. J'ai déjà donné de l'argent. Oui, je vous informe aussi, plus que vos empires étaient grands, plus ça risque de laguer en ouvrant certains répertoires. Hein. Par exemple, là, mon titre d'empereur, là, ça lague énormément pour que j'arrive à l'ouvrir. De même pour l'os, parce que apparemment j'aurai un os trop grand, j'aurai trop de personnes dedans. C'est un peu gênant bah, quand... Ah. Et je peux vous rassurer, ça vient pas de moi ça. Que toutes les personnes qui ont le jeu se prennent du même problème que moi. C'est simplement parce que vous vous amusez à faire un empire grand, ben... Bah, l'ordi a du mal à suivre. Enfin, plutôt que le jeu a du mal à charger. Bon après s'ils me font une guerre, s'ils me refont une guerre, je ressens que... Ça m'embête quand même parce que c'est...
Ouais, ça me prend tellement de temps en antenne à devoir m'occuper de ça, ça continue, j'ai carrément. Ouais, quand ils font la guerre, j'assassine tous ceux qui veulent la guerre et à faire régler au pire. Ouais. Une technique. Vous savez qu'en y pensant, c'est pas bête l'idée. Ça évite le. Voilà, ici je capture ça et ça sera bon. Voilà. C'est bon maintenant. Toi, je te donne fou bidule machin là. Voilà. C'est bien en plus, j'ai même pas riff. J'ai vu. Parce que inclure ce qu'il y a dedans. Toi, t'as fait. T'es de fait avec tout ce qu'il y a dedans. Duché de phase. Très bien. Voilà. Une guerre sainte qui s'est encore bien déroulée. Donc on dirait que c'est du dos se déroule plutôt bien. Il y aura toujours des rébellions. Alors justement, parlant de. Je parle de rébellion, je pense à autre chose, quand même pour vous dire. Il faut savoir que. Ouais, les personnes qu'on appellera vikings, qui deviendront plus tard normands, les vikings qui sont d'originaire des pays scandinaves, vont se sédentariser à plusieurs endroits, notamment en Normandie et en Sicile. Donc ils vont faire un peu en fait les normands, les vikings ont un peu les mêmes descendants. Donc c'est-à-dire qu'à la fin les normands vont carrément être rois d'Angleterre. Avoir une bonne emprise sur le royaume de France. Parce que. Le royaume de France, étant donné que les Normands, lorsqu'ils sont arrivés, je vous rappelle qu'ils ont failli prendre la capitale par la mer avec le grand Drakkar. Voilà. Et les Vikings vont vraiment prendre. Ouais, vont prendre beaucoup d'importance, voilà. Ça va être plus à base les vikings, ça, ouais, ils payent leur matériel, tout ça, ce qu'ils ont besoin mettre fin au complot. Il y a un truc qui m'interpelle, j'ai vu. Donc lui, je veux voir. Et il a réussi à gagner. Pas de bataille là. Et ils ont un bon général au centre, mais je pense qu'ils perdent parce que Moraglia est plus bas. Ils perdent. Et ils gagnent. Non, ils perdent, je sais si j'ai raison. Très serré cette bataille, ils ont failli gagner, donc la preuve que le terrain est très utile. Hein. Dès que je suis en paix, je vais faire un grand tournoi parce que là, ça peut pas continuer les problèmes. Le mécontentement parce que sinon ça va encore dégénérer comme toujours. Ça me concerne pas. Ah si, j'ai quand même. Me demandez pas comment ça se fait que j'ai cette baronnie. Je ne sais pas. Donc revenons au fait des vikings. Les vikings, faut savoir que. Voilà, ils vont s'implanter après à différents endroits en Méditerranée, tout ça.
Mais à base, les Vikings, c'est un peuple de pilleurs qui pillent énormément les côtes. Et c'est eux-mêmes qui apportent leur matériel. Et en fonction des pays, voilà. Ils n'ont pas forcément le même armement. Faut savoir qu'en Suède, en Norvège, comment peut-on dire, le fer, voilà. Le fer est de très mauvaise qualité dans la plupart des provinces scandinaves, ce qui fait que une épée, normalement, on a besoin qu'elle soit bien forgée et tout ça pour que ça soit efficace, donc on va préférer la hache à l'épée. Uniquement, voilà, parce que c'est mieux, voilà, je peux pas expliquer autrement, voilà, c'est simplement que voilà, là je demande moins de fer à être fabriqué, tout ça, c'est une... bon. Donc il va y avoir de plus en plus de haches qui vont être développées, notamment donc ils vont énormément se combattre à hache, comme je veux dire qu'ils vont être développés, bon. C'est combattre à... ils vont beaucoup combattre à hache. Et mine de rien, une hache, c'est assez terrifiant quand vous affrontez ça pour la première fois. Surtout quand vous êtes face à des combattants quand même talentueux. Parce que mine de rien, les Nordiques étaient très réputés pour ça. C'était vraiment des très très grands guerriers. Les personnes des pays scandinaves. À tel point que la garde Varek, alias la garde un peu personnelle des empereurs de Byzance, ont décidé de demander à des Scandinaves de former cette garde, justement. Donc parce qu'ils sont d'une manière générale, les Vikings, voilà, les personnes des pays du Nord, sont mieux bâtis, on va dire ça comme ça. Mais sont, voilà, ils ont un physique plus avantageux qui inspire plus la peur, parce que de manière générale ils sont un peu plus grands, plus musclés, voilà. Bon, c'est leur coutume qui fait aussi que c'est comme ça. Et d'une manière générale, ça va un peu intimider les opposants, hein, parce que mine de rien, quand vous avez des personnes qui font une demi-tête voire une tête de plus d'une manière générale comparé à vos hommes, ça inspire quand même un peu de la peur. Bon, un peu, parce que c'est pas de la peur comme on conçoit, voilà. C'est si j'ai une connerie, c'est la peur comme on conçoit. Ça intimide, voilà. C'est tu joues sur l'intimidation de l'ennemi dans un cas comme ça. Et si le moral, déjà rien que des hommes, avant de commencer la bataille, n'y est pas, je peux déjà vous assurer que c'est perdu d'avance. Perdu d'avance parce que parce qu'on n'est pas, voilà, on combattre quand le cœur n'y est pas, on peut pas combattre, c'est quelque chose de logique. Et disons que c'est vraiment dans leur culture de base, une culture guerrière vraiment instaurée dès la base chez eux. Voilà, c'est vraiment un mode de vie, voilà. Ils vivent comme ça, c'est bon, voilà. C'est un mode de vie comme un autre. Donc voilà, c'est... mine de rien, durant le Moyen-Âge, les Normands, bah, ce que plus tard on appellerait les Normands, c'est-à-dire, quand on dit Normands, on pense souvent au royaume de Sicile. Et au roi d'Angleterre, bah, c'est vraiment des personnes extrêmement... voilà, c'est hors physique, voilà, bon, c'est hors physique, voilà, c'est le plus souvent c'est des personnes, voilà. À l'époque, quand on parle normand, on imagine quelqu'un de grand, baraqué, voilà. C'est comme ça qu'on voit les personnes des pays du Nord, en fait, à l'époque. Donc ah oui, et sanguinaire aussi, voilà. Je sais aussi ce qu'on peut rajouter dessus, c'est qu'on y considérait souvent aussi comme sanguinaire, bon. Sanguinaire, je sais pas. Et après tout, c'est juste des guerriers, voilà. C'est des guerriers, ils sont éduqués à devenir des guerriers, c'est tout.
Après voilà, c'est juste que c'est juste que physiquement ils étaient mieux bâtis, voilà. Et mine de rien, c'est même encore aujourd'hui, enfin aujourd'hui comparé au Moyen Âge, c'est-à-dire voilà, Renaissance ou ça, même jusqu'à nos jours, même on peut dire, ben les personnes là sont plus souvent mieux bâties que nous, niveau mieux, ouais, sont souvent plus costauds que nous. C'est simplement que voilà, on y connaît comme ça. Bon, après c'est pas forcément la réalité maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est comme ça qu'on voyait les personnes des pays du Nord, des pays scandinaves, voilà, quasiment tous des grands bonhommes qui atteignent les 2 mètres. Vous avez déjà dû voir de nombreux films là-dessus. Hein. Donc, mine de rien, c'est rien que... Voilà, c'est un peuple. Voilà, c'est le peuple scandinave, voilà, ils ont réussi quand même à inspirer quand même la terreur quand même à l'ensemble de la chrétienté quand même, pour vous dire. Ce qui montre bien aussi qu'ils avaient qu'ils maîtrisaient même totalement l'art de manipuler les foules. Hein. Aujourd'hui, voilà, c'est comme ça qu'on appellerait, mais au final, c'est ça impressionne un peu tout le monde, voilà. Tout le monde était impressionné, tout le monde avait un peu peur, donc voilà, c'est... Non, mais mine de rien, c'est... Faut y penser quand même, c'est... Voilà, c'est... C'est souvent des grands guerriers, voilà. Bon, après, c'est pas forcément vrai. Donc voilà, c'est... Voilà, vous demandez sûrement où je veux en venir, c'est au final pour dire que en fonction du temps, il y a toujours des... Avec le temps, il y a toujours en fait des peuples qu'on craint plus d'autres. Par exemple, sous Louis XIV, c'est la France qui sera extrêmement craint. On sera vraiment une puissance énorme, terrifiant. Et voilà, ça se passera comme ça sous Louis XIV. Alors que par exemple, à d'autres époques, c'était d'autant pire. Par exemple, on se rappelle encore à l'époque où c'était le Saint-Empire qui impressionnait tout le monde, ou encore l'Empire byzantin. Au final, on constate qu'avec le temps, les époques qui dominent changent. Comme une dernière, au final, c'est vraiment ça. Et voilà, c'est... J'ai envie de dire, à chaque époque, il y a un peu ces... Les personnes qui vont être craintes. Il y a toujours un peu, voilà, il y a toujours une culture dominante, il y a toujours un peuple, voilà, qui domine d'une manière ou d'une autre, soit économiquement, militairement, voilà. Mine de rien, c'est souvent en évoquant un nom que voilà, ça... Parfois on évoque... Ah, par exemple, on évoquait rien que le nom normand, c'est... Ça, par contre, c'est quand même ça, à l'époque, quand même fort. Tout le monde avait peur. Enfin, c'était connu partout. Mais bon, voilà, c'est... Les époques ont changé, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais bon. Mine de rien, c'est... Ça démontre bien qu'avec le temps, il y a toujours quelqu'un de plus puissant au final. Il y a toujours des personnes qui sont respectées par la force, donc voilà, c'était le cas pour eux. Après, voilà, c'est... Mine de rien, voilà. Je voulais aussi en venir, voilà, par des Vikings, que c'était un peu, voilà, à l'époque-là, quand même assez fort. C'est aussi qu'ils ont une culture derrière, moi je trouve assez sympathique, c'est des légendes, des mythes. Bon, pour tous ceux qui connaissent un peu Odin, Asgard, tout ça, ben c'est une de leurs principales, voilà, c'est un peu leurs mythes un peu principaux, hein.
Voilà, c'est au moins, voilà. Je pars au début du Moyen Âge, tout ça. Après, ça évoluera bien évidemment avec la chrétienté, mais voilà, c'est moi personnellement, je trouve que c'est quelque chose de leur culture, j'adore. Parce que pour eux, déjà à l'époque là, c'est pour vous dire, ils concevaient déjà, ce que l'Église ne concevait pas, la Terre ronde. Ce qui en fait d'ailleurs que qu'ils étaient extrêmement connus pour tout ce qui est de la mer, ce qu'ils ont. Ils sont quand même allés jusqu'ici. Pour eux, il y avait la disparition des terres, je vous rappelle, pour les églises, la terre n'était pas ronde. Donc voilà, c'est. Avec comme ils voyaient le monde, ils avaient un peu d'avance un peu sur tout le monde. Voilà. Ils concevaient le fait qu'il y ait plusieurs peuples, tout ça. Mais pas forcément qu'on puisse les rencontrer, vous voyez, un peu des sortes de divinités, bon. C'est comme un peu les Grecs, un peu comme les Romains avec leurs divinités, ça change pas. Comme avec les chrétiens. Ou les musulmans. Oui, j'ai pas envie qu'on me dise que je suis élevé dans une société occidentale, donc judéo-chrétienne de base. Mais bon, ça ne fait pas le fait que je reste quelqu'un général, que je suis pas quelqu'un qui soutient la religion. Qui ne soutient pas la religion monothéiste, je précise. Parce que vous constatez, pour ceux qui font un peu attention, que j'adore tout ce qui est un peu religion polythéiste parce que ils conçoivent, voilà, ils mettent par exemple une divinité par personne, voilà. Par exemple, divinité de l'amour, la divinité par exemple pour tout ce qui est agriculture, tout ça. Et mine de rien, avoir une religion polythéiste où il n'y a pas de sacrifice humain, je précise parce que moi je supporte pas ça. On constate que toutes les religions, par exemple, sont dans les pays scandinaves, ou dans l'Empire romain, tout ça, ou grec, il n'y avait pas trop de guerre civile à cause de voilà, il n'y avait pas de guerre civile à cause de tensions à cause de la religion, si vous voyez ce que je veux dire. Et on se portait vachement mieux. On se portait mieux, voilà, on acceptait, voilà, bon, très bien, ça se passe comme ça, alors. Vous voyez, c'est. Voilà. J'aime bien que. De plus. Voilà, je vais vous dire aussi ce qui me plaît aussi dans les cultures nordiques. C'est l'une des cultures occidentales. Une des cultures. Qui croit au dragon. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'apparemment, d'après eux, tu regardais hors légende. Si vous regardez un peu, c'est souvent des combats épiques contre des dragons, voilà, qui voilà, c'était un peu à recharger des crânes des dragons. Non mais c'est énorme ça. Moi je trouve ça énorme. Je voulais finir cette guerre en plus. Mine de rien, c'est pas mal. Voilà, grande principauté de terre. J'ai hérité comme ça du titre. Donc voilà, c'est. Donc au final, la religion polythéiste a démontré que ça se passait mieux, voilà, tout simplement. C'est en ça que je voulais aboutir. Et justement, en revenant, moi, il y a des choses que j'aime bien dans tout ce qui est culture un peu nordique. C'est que, voilà, ils soutiennent les dragons, tout ça, un peu un plan. Supérieur entre guillemets, voilà, où il y a d'autres personnes et ça se passe très bien, voilà. Après moi j'aime bien tout ce qui est un peu, voilà, leur combat contre des dragons, tout ça c'est épique ça. Il faut se regarder un peu en légende. C'est mine de rien, ça nous fait poser cette question là. Les personnes d'Asie, voilà, je pense notamment à la Chine. Notamment la Chine justement. On pense après les pays du Nord, aussi loin, mais ils pensent quand même à une créature un peu commune, le dragon.
Et ça nous pose cette question, est-ce qu'en réalité cette bestiole-là n'existait pas? À moins que ce qu'ils considèrent comme des dragons, ils ont trouvé par exemple une carcasse de tête de dinosaure, voilà, on va dire une grosse bêtise. C'est peut-être le cas, hein. Peut-être trouver voilà, une tête de dinosaure. Et voilà. Ils se disent, voilà, c'est possible aussi. Mais moi, ça me fait quand même me demander, est-ce que les dragons n'existent pas? C'est une bonne question, ça. Est-ce que ça serait pas une espèce qui aurait disparu? Je vais pas vous gêner avec ça plus longtemps. Hein. Je vois que j'ai dépassé le temps en plus. Bon, j'espère que vous avez pris un peu cette petite histoire rapide sur les Nordiques. Hein. Voilà, c'est un peu un peu culture nordique. L'héritage nordique plutôt, on va dire. Parce que c'est plus un héritage tout ça qui culturel qu'ils ont. Voilà, j'espère en tout cas que ceci vous aura plu. J'y pense aussi, j'ai constaté un petit bug. Et c'est pas la première fois en fait. C'est que en fait quand il y a une guerre, comment expliquer ça? C'est pas sur cette partie aussi que j'ai ce bug, que sur cette partie-là, j'ai d'autres bugs, c'est notamment quasiment à chaque fois avec l'Empire byzantin. C'est qu'à partir déjà à partir du moment qu'on change le capitaine Empire byzantin et qu'ils sont en guerre civile et qu'ils n'arrivent pas à réorganiser, à faire tous les traités de paix, il y a un bug. Je sais pas comment expliquer. Ils refusent d'abdiquer. Mais ils refusent, avec 100%, ils disent toujours non, 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 non. Et vu que l'IA se base sur cet automatisme-là, vous avez pu constater dans la vidéo précédente, quand j'ai dit appuyer les exigences, ils mettaient non, mais arrêter et accepter, c'est que l'IA, tant que c'est écrit non, il propose pas. Et le bug, c'est qu'il garde toujours non. Et je sais comment faire pour faire que ça marche. Mais se dire aussi que je dois bidouiller les fichiers du jeu et probablement ça va faire que en bidouillant les fichiers du jeu, je vais sûrement avancer de quelques jours et peut-être bien que notamment la guerre là, cette guerre là va se finir, la guerre d'indépendance, ouais, il a gagné, va s'aboutir et aussi cette guerre là. Donc je préfère vous prévenir tout de suite, donc il est fort probable que je sois empereur de Byzance d'ici la prochaine vidéo. Mais bon, ouais, je vais corriger ce bug-là, je m'en excuse. En tout cas, ça m'a fait plaisir de repartager une nouvelle vidéo avec vous. Vous êtes toujours aussi nombreux à me suivre, même de plus en plus nombreux à suivre cette série. Bon, cette série va... On va se taper, ouais, encore un siècle de jeu, 150 ans, et voilà, ça sera à peu près fini. On arrive bientôt au bout, en tout cas, voilà. Je vous remercie infiniment de toujours regarder... De tout regarder mes vidéos et d'avoir regardé aussi cette vidéo-là. En espérant que cette vidéo et les suivantes vous plairont. Je vous dis encore une fois merci. Portez-vous bien. Et vive le jeu vidéo.